centré, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar s'utilise avec des canons, où on peut mourir du simple fièvre, où les épidémies se promènent sans reste. Crois-tu te maintenir sous la canicule de ces pays où pendant deux mois tu penses que la nuit brûle? Imagine ta vie sans eau potable, une douche, des jours de pluie, pas de bouffe ni sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campus, ou brûlé comme un magasin tout en bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie. Tout le monde, ça n'a ni cause de retourner la vie pendant que ça ne nous touche pas. On sait bien ce qui se passe ailleurs, mais on en se met. Oh, relativise, ferme les yeux, imagine-toi. J'ai 10 ans, je vois les générations déjà qui m'écoutent depuis longtemps, qui les chantent, ça leur fait plaisir. Merci à vous, merci pour ça. Cette fidélité, merci beaucoup. Je voudrais que vous fassiez un gros, gros, gros bordel pour Blacko qui m'accompagne sur cette chanson, s'il vous plaît. Blacko fait partie des artistes que j'aime beaucoup parce qu'ils chantent beaucoup l'amour, la paix, l'unité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Des gens comme Kerry James ou Youssoupha aussi, j'aime beaucoup. Ayam aussi, ça c'est dans la musique urbaine. C'est des artistes que j'aime beaucoup. Et en ce moment, j'avoue que les textes que j'écoutais d'Ayam quand j'étais tout jeune, il y a peut-être 20 ans, j'ai l'impression que c'est encore d'actualité, surtout quand je vois les présidentielles, là, je deviens fou, moi, j'avoue, je ne sais plus ce qui est droite, gauche, qui est là pour ci, pour ça, est-ce qu'il faut prendre de l'argent, donner à mon frère, mes frères et sœurs, ma femme, mes enfants, pour pouvoir être élu et pas partir devant la justice, je ne comprends plus rien. Je suis perdu, expliquez-moi, est-ce que vous êtes dans le même état que moi, vous êtes perdu aussi? Il y a même à la télé, la dernière fois, j'avais mis la télé et j'entends un mec qui arrive et qui dit « Monsieur, mais dire Bamboula à un black, c'est convenable !» Nous sommes en 2017. Comment on peut arriver à ce genre de discours? Comment on peut arriver? Ça me fait peur. Je parle même pas des États-Unis, Trump. Aïe. Les Simpsons, à dire que les Simpsons avaient raison. C'est un truc de fou, c'est des animés. Ah, ben lui c'est un dessin animé, ça c'est sûr. Misogyne, raciste, il a carrément sorti de l'argent pour faire un mur, pour séparer avec le Mexique. Vous imaginez, ça existe? C'est le mec qui contrôle le plus grand pays, lui qui a le pouvoir. Oh, je deviens fou. J'ai peur pour mes enfants, je vous dis la vérité, pour leur avenir, j'ai peur. Avec la tension actuelle, j'ai très très peur. Donc je pense à tous les parents qui sont là, je leur donne beaucoup beaucoup de force ce soir. Faites du bruit pour vous.